Salut, salut. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a... Dans 3 jours exactement, je repars à New York avec des amis. Ça va être incroyable et j'ai trop hâte, mais il y a quand même quelques petits préparatifs à faire quand même avant le départ. Du coup je vous emmène dans ma journée aujourd'hui et demain pour préparer tout ça avec moi. La première étape c'est évidemment les courses, parce que déjà j'ai plus rien chez moi et en plus il faut quand même qu'on prévoie quelques petits trucs pour notre départ. Du coup c'est parti, on va faire les courses. Vous pouvez dire à votre pote de m'aider. Elle fait style, elle travaille, elle cherche des feuilles Bristol, en fait c'est juste pour dessiner ses tatouages. Elle va faire des bêtises, comme d'hab. Bon, du coup je viens de rentrer des courses, il est hyper tard, il est 18h. Je pensais pas qu'on allait rentrer aussi tard, mais du coup je vais pas faire ma valise aujourd'hui, je la ferai demain. Avec vous évidemment, mais je la ferai demain. Parce que là du coup ce soir j'ai une soirée, donc faut que je me prépare et j'ai quand même quelques trucs à faire avant d'aller à ma soirée qui sont pas du tout par rapport à New York, donc je vais pas vous filmer ça, ça sert à rien. Aux courses, on a acheté du coup notre pique-nique pour lundi. Je vous expliquerai exactement dans la prochaine vidéo comment ça se passe, ce qu'on a prévu exactement de faire là-bas, etc. Donc restez connectés et abonnez-vous surtout pour suivre toutes nos petites péripéties là-bas. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte, on est enfin en vacances. Bref, du coup là je vais me préparer et moi je vous reprends demain. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, même si vous me revoyez dans 3 secondes, mais c'est pas grave, à demain, bisous. Coucou. Faites pas attention à ça. Je suis désolée, vous allez devoir faire avec cette tête jusqu'à la fin de la vidéo. Mais hier je suis peut-être un peu sortie, on m'a emmenée dans un traquenard. Je me suis réveillée là, il est 16h. C'est tellement pas dans mes habitudes, c'est vraiment pas moi. Mais là vraiment je devais dormir, sinon je tiendrais pas la journée. Du coup bref, comme je voulais dire, je vous retrouve pour faire ma valise. Parce que du coup je suis un peu à la bourre, parce qu'il est clairement 16h et que j'avais prévu de faire plein de trucs aujourd'hui et que du coup j'ai rien fait. Mais du coup là je vais faire ma valise, c'est vraiment la priorité. Parce que je ne sais pas du tout quoi emmener et j'ai le droit qu'il y a une valise cabine. Commencer par le plus compliqué mais en même temps le plus facile, c'est ma trousse de toilette. Je vous explique pourquoi c'est compliqué dans 3 secondes. Vous n'êtes pas sans savoir que dans une valise cabine, on ne peut pas prendre tout ce qu'on veut, puisque c'est pas en soute. Le problème, c'est qu'on a le droit qu'à 100 ml de trucs, enfin de tubes là, de liquide, et pratiquement tous les produits sont à plus de 100 ml. Du coup, je vais déjà trier ce que je veux et ce que je veux pas, mais j'ai une petite idée pour les produits qui sont à plus de 100 ml pour les emmener quand même. D'abord je trie et après je vous explique mon idée, mais vous allez voir, je pense que là, j'ai une idée qui révolutionne tout. Je me suis mise par terre, on est mieux par terre. J'ai tout là. Tout là, il faut que j'arrive à prendre. Mais il y a des choses, genre ça, mon produit pour le visage, il fait 400 ml. 400 ml, je peux pas prendre. Donc je vais déjà trier les trucs qui sont bons et après je vous explique comment je vais faire pour les 400 000, enfin pour les trucs qui sont à plus de 100 ml quoi. Bon, du coup j'ai 3 produits qui posent problème entre guillemets. J'ai ma crème solaire, j'ai mon nettoyant pour le visage et mon eau précieuse. Pour ma crème solaire, je vais vider ça et je vais mettre ma crème solaire dedans. Et pour les 2 liquides, vous êtes prêts? Attention. Je vais vider des compotes. Et comme ça, ça va rentrer dedans. Parce que c'est 80 grammes, 90 grammes. Donc ça rentre dedans. Intelligente. Du coup, je vais pouvoir prendre tous mes produits. Je suis très contente. Je peux être trop forte. En vrai, ça se trouve, vous avez genre des idées hyper faciles que j'ai pas pensé. Et que du coup, je vais me retrouver comme une conne quand vous allez me dire dans les commentaires en mode « Mais Marine, il suffisait juste que tu fasses ça !» Tadam, tout est rentré. Je suis trop fière de moi. Par contre, je dois clairement mettre tout ça sur moi. Donc vraiment, il y a pas mal de trucs. Hein. Je vais être un peu un bibin d'homme, mais bon, au moins, c'est rentré. Je suis très contente. Oh, j'ai oublié mes toutous. Oh non, je vais devoir faire des choix.
Mais c'est pas grave, je vais les mettre dans mon sac à dos, au moins je les aurai pour l'avion. Enfin, en vrai de vrai, je dis je vais mettre dans mon sac à dos, mais mon sac à dos va être déjà bien rempli. Du coup, je ne sais pas trop. Non, du coup, j'ai dû faire des sacrifices. Je peux prendre que mon carré. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, voilà, ma valise est finie. Je suis très très contente. C'est hyper crevant de faire une valise. En plus, je vous l'ai déjà dit, mais je déteste faire mes valises. Parce que, genre, j'ai toujours peur d'oublier un truc. Enfin, genre, c'est vraiment une source d'angoisse pour moi, la valise. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas du tout ça, genre. C'est vraiment nul de faire une valise. Voilà, c'était juste une information comme ça, pas très utile. La prochaine étape que je fais tout le temps avant de partir en voyage, et surtout là pour New York, je vais trier mon ordinateur et trier mon téléphone. Donc je mets tout sur mon... Enfin, tout, la plupart des trucs je mets sur mon disque dur. Au moins je suis sûre d'avoir de la place dans mon ordinateur et j'ai pas besoin d'emmener mon disque dur. Et pareil, ma caméra, je la vide. Mon téléphone, je trie les photos parce que... On connaît, en voyage, on fait 36 000 photos inutiles. Et quand vous avez le truc là où l'appareil photo il ne peut plus prendre de photos parce que vous avez plus de place, c'est horrible. Donc comme je sais que je suis assez restreinte sur la capacité de mon téléphone, il faut que je le vide. Donc je vais faire ça tout de suite, c'est un moment très chiant. Mais il faut le faire et au moins on n'a pas de problème sur place. Ok, donc là le projet c'est de gagner de la place dans mon téléphone, sachant que j'ai que 20, enfin j'ai que 10 gigas de libre. Bref, du coup je vais essayer, en vrai là je suis à 118 gigaoctets, j'aimerais bien descendre à 110 et si je peux faire 100 ça serait vraiment pépite. Mais je n'y arriverai pas, je le sais. Donc bref c'est parti, on va trier tout ça, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. C'est ma copine. Elle me manque. Elle me manque beaucoup trop. C'est mon duo de chant en soirée. C'était mes 18 ans. C'était il y a 2 ans, putain. C'était il y a si longtemps. Par contre, elle dure 2 minutes la vidéo, donc elle doit me prendre beaucoup de place. Je vais me mettre à pleurer là. Ils me manquent tous. Mon petit frère, il a tellement grandi. En 2 ans, les gars, je vous jure. En 2 ans, il a mué. Il a grandi. Il a de la barbe. Enfin, de la moustache parce qu'il a pas encore de barbe. C'était mon petit bébé. Ça restera toujours mon petit bébé. Mais là, il est devenu trop grand. Bref, je suis trop nostalgique là en fait. J'aurais pas dû trier mes photos. Non mais là, là, les gars, je suis en train de faire mon anniversaire de mes 19 ans. En fait, je trie que les vidéos en premier parce que sinon, regardez comme on est chaud. Il faut que tu saches, j'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, votre danse des heures. C'est trop bien, ma mère, elle m'avait chanté une chanson. Elle est trop chou. Elle est trop mimes. Cette vidéo elle va se finir en fait en... De base je devais préparer mes affaires pour New York quand même. En vrai elles sont prêtes mes affaires pour New York. Du coup là ça va se finir en... Je vous montre mes vidéos. Je continue, je vous retrouve après. Oui. Non mais on est trop chou. Regardez, on n'est pas des trop beaux frères et sœurs. Regardez. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Je les aime trop. C'est vraiment les deux hommes de ma vie. Ok, je vais regarder à combien je suis parce que je vous avoue que j'en ai marre. Je suis à 109. Je vais faire une pause parce que là j'en peux plus. Mais 109 c'est trop bien, je suis trop fière. Les amis, je vais arrêter la vidéo ici parce que bah, j'ai tout fini de préparer pour New York. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, c'était pas une vidéo très très longue. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne pas louper les autres vidéos à New York. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok parce que je vais vous harceler de TikTok à New York. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre là-bas sur Instagram etc. Enfin bref. Vous connaissez la chanson. Je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à New York cette fois-ci. Bisous !